tu discutes des heures et des heures pour qu'ils cernent bien l'histoire. Eux se sont documentés comme... Enfin, j'étais impressionné, quoi. Même en discutant avec eux, parfois ils me sortaient des trucs, je disais, mais comment tu peux savoir ça? C'est incroyable. Comment ça a été retranscrit, je trouve ça vraiment... c'est parfait, quoi. Ça retranscrit les années 80 à la perfection, du code vestimentaire à l'attitude, au jeu des acteurs et tout. J'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Parce que autant faire un film contemporain, enfin là, actuel et tout, bon, c'est compliqué et tout. Là, il y a encore une autre contrainte, quoi, quand même, de parler avec le langage des années 80, d'être sapé comme ça, d'avoir cette attitude-là, de ne pas prendre des trucs actuels dans le jeu. Et je trouve que les acteurs ont été exceptionnels. Ouais. Autant Tony Bajon que Melvin Boomer, celui qui fait Joe Star aussi, est extraordinaire.